Et bonjour à tous, c'est John Jonan, bienvenue dans cette vidéo les amis. Aujourd'hui Battle Road avec le Goku enfant, Battle Road super, en rainbow, on n'a pas le choix, hein, si on peut pas lancer la game. Voilà la team, Goku enfant, Goku Hara les LR, le Gon LR, le Kame Sennin. Alors évidemment voilà, c'est un gameplay qu'on a fait en live. Le Kame Sennin, incroyable, même sans doublon, il est vraiment MVP dans ce Battle Road. Goku enfant aussi, un peu tout le monde, juste le Gotenks CJ1 qui a pas tant brillé que ça. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment mieux à ramener, hein, que ce soit catégorie enfant ou arc enfant, c'est pas, il n'y a pas grand chose. Goten ZTER toujours très bon. Voilà, je vous laisse avec le gameplay, vous allez voir que c'était vraiment très très sympa, de l'active skill comme il faut. Et franchement on s'en sort très 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 bien avec cette team, avec Goku enfant, c'était très fun. Je vous laisse avec le gameplay les amis, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, des bisous, salut. On est reparti. Allez, let's go. Rotation. Bof. Bon, faut prendre un Goku Rally qui arrive après, mais bof. Parce que le problème, c'est que là, on a qui plus 0 en fait. Hein. C'est ça le problème. C'est ça qui est problématique. C'est ça qui est très problématique, qui plus 0, quoi. Allez, Gon LR, tu peux faire un cri s'il te plaît? Bon là par contre... Ah quoique... Ah. Attends. Ah oui c'est vrai qu'il gagne un ki je crois. Il gagne aussi un ki je crois. Ah oui c'est vrai, c'est vrai que c'est pratique. Hein. C'est vrai que c'est quand même vachement pratique ça. Bon on va tenter peut-être le stun de Freezer. Voir, je tue Tagoma. J'ai quoi après? Ouais. Ah, au pire, j'attaque Tagoma, on verra. Bon. Pas facile. Mighty Mask LR à la place de Gon LR 100%. Ouais. Oui. Oui. Tout à fait. Ah, le stun sur Tagoma, quoi, t'es sérieux. Nul. Nul, nul, nul. Qu'est-ce que ces rotations? Non, mais en fait, le souci, c'est là, quand t'as pas les rotations dans cette team, c'est un enfer. Parce que là, y a moi ça, quoi. Comment tu veux que je survive, là? J'ai rien pour tanker à part Kame Sennin à la limite, mais. Mais bon. Mon Tagoma attaque pas. Bon à savoir. C'est bon à savoir. On va bloquer Freezer. Bon bah, sorbet s'il te plaît par Panspé. Merci. Gentil frérot. Bon, Goten, tu finis quand même. Tu finis? Ouais. Non? Il est pas mort? Le mec, il a subi 2 spé des Goku enfants, plus une spé de Goten, il est pas mort. Ok. D'accord. Je vois. Bon, Freezer, ok. Freezer, il a sa spé bloqué. Ouais, si je vais attaquer Freezer. Ouais. Bon, Shisami, je vais essayer de t'éclater là. 4 qui arc-en-ciel. Et Gon LR, bah écoute, bah finis ta Goma. Qu'est-ce que je te dise? Bah ouais. Dit Tagoma, qu'est-ce que je te dise? Bien qu'on le tue. J'ai pas le choix. Si on peut stun Freezer, ça serait bien. Mouais. Mouais, mouais. Allez, Goku Harley.
Ah bah voilà. Ah, pas d'attaque sup. Putain, mais regardez, c'est horrible. Regardez l'aspect qu'on va claquer pour le trait. Le trait pour ça. Ouais. Horrible. Bon, Freezer n'est plus stun ni quoi que ce soit. Est-ce que Kamessine finit Freezer? Je pense pas. Mais par contre. Ouais. On va tenter. Ouais, je vais rester sur Freezer si jamais il meurt pas. Bon, 2 millions en valeur d'attaque. Ah, il le tue même pas. Je crois qu'il l'a pas tué. Hein. Bon, après, c'est pas grave, il est stun, mais. Ah, il l'a pas tué. Hein. Bon, c'est pas grave. mille en def. Après, là, le coup pour aller, j'ai ma réduction de dégâts plus la défense, donc ça va être plus intéressant. Pour le coup. Bon là Sorbet si tu spé bon déjà tu vas peut-être mourir mais si tu spé moi je réponds plus de rien. J'ai cru au trait quand même les gars, j'ai cru au petit trait. J'ai cru. Alors mon ami Hit. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? De toute façon, il y a beaucoup trop d'attaques là. Bon. Alors, le problème, c'est ce qui m'arrange pas, c'est que. Je vais pas pouvoir partir en spell. Je sens que ça va être la merde de partir en spell. Ah, si je peux stun hit. Ça serait quand même merveilleux. Mais Gwenaëlle, si tu peux tuer Kiabe, ça m'arrangerait vraiment de ouf. Bon, il faut un petit stun. Ça serait très très appréciable. Yes! Yes! Ça c'est bien. Gwenaëlle, un critique et Kiabe, on n'en parle plus. Allez, fais-nous plaisir. Un petit critique, Gwenaëlle, montre-nous. Montre-nous, je te dis. Oh là 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 là, parfait. Parfait, parfait. Hit et stun. Donc pas d'attaque là, pas d'attaque là. Putain, il y a Frost qui attaque à la fin, évidemment, enfoiré. Magueta ici. Ouais, on craint quasiment rien là. On craint quasiment rien là. À part Botamo s'il nous spé. Et encore, on aura la réduction de dégâts. En fait, si Frost spé sur Goten, on est vraiment dans la merde par contre. C'est juste ça là le risque. Sinon je bloque l'aspect de Frost. Attends mais je crois que je peux même pas. Attends. Parce qu'il prend combien d'ailleurs? Il prend qui plus 2. Attends, qui plus 2. Donc je prends 2. 6, 8. 4. Ah si je crois que c'est bon. De toute façon. Ah, j'ai bloqué Frost. Hein. Ah, c'est bon. Goku enfant. Bah, si tu peux re-stun hit, ça me va bien. Ouais. Et Goten. Bon.
Goten, je sais même pas ce que tu vas faire. Bon, attaque. Attaque ce con là. Bon. Donc là, on bloque l'aspect, comme ça on est tranquille. Enfin, si, en fait, si Frost, je savais qu'il faisait pas de spé, j'aurais pas eu besoin de faire ça, hein, mais. Allez, là, c'est l'ami leader, je crois. Ah, pas de stun. Ah! L'attaque supplémentaire qui va peut-être nous apporter le stun. On veut un stun. T'as compris? Ah là là, dommage. Bon. C'est quand même cool. Je crois que je viens de perdre 74 000 PV. Ah! L'active skill, je l'avais presque oublié. Je l'avais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Il t'attaque en machin. Kamessine 95 000. Frost a sa spé bloqué. Ouais, je suis même pas sûr qu'il le fait en fait. Ou alors, je la fais sur hit et j'essaie de le tuer. Non, ou alors je finis Frost avec Kamessine. Ouais, c'est peut-être mieux. Et du coup, l'active ski, je la fais sur qui? Bah, de toute façon, ma Geta ou hit. Ouais, autant à faire sur hit. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. C'est trop, les amis. Bon, alors, le problème, c'est que c'est hit me spé sur Kamessi, je suis pas bien. Il me reste 7 items. Bon, alors on va mettre une princesse. Hein. La princesse. Faut vraiment que Hit me spé pas sur Kamessine. Hein. Sinon, on va pas être bien. Sinon, je fais ça, mais Kamessine n'aura plus de défense. En même temps, l'outil a l'avantage type, alors qu'est-ce qui est le pire? Ouais, bon. Dokkan Mode en approche, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais... Sans commentaire. sans commentaire. Ah, le stun. L'aspect la plus mal placée qui soit. Encore. Mais enfin, bref. Bon, l'avantage, c'est que ça me permet de refaire l'active skill. Déjà ça. C'est déjà ça. C'est l'avantage. C'est l'avantage d'avoir reperdu des PV, mais bon. Allez, boum. On trouve le bide de Motamo. Et normalement, grâce à l'active skill, là, je vais pouvoir finir le combat sans claquer le Dokkan Mode. Ah, quoique non, en fait. Non, je peux pas, en fait. Attends. Non, je crois que quoi qu'il arrive, il proc, là. Ah, merde. Quoi qu'il arrive, je crois qu'il proc. Même si je prends pas des kits de ma couleur, je crois que c'est mort. Non, c'est mort, je crois. C'est mort, les gars. Je suis quasiment sûr que c'est mort. Ah ouais, c'est mort. Non. Bon, on va se soigner, tant pis, hein, tu me diras. C'est pas... Enfin, c'est chiant, hein. Clairement, c'est chiant, mais... On va se soigner, tant pis. On va se soigner. Je pouvais pas... Ah, on était à une attaque près, quoi. Putain, c'est dommage. Hein.
C'est vraiment dommage, mais bon. On était à une, enfin, un qui prenne notre couleur ou pas, enfin bref. Dommage. Il est même pas mort, Maguetta. Ouais, sans le trait. Sans le trait, ça serait passé. Ouais, dernier boss. On s'en sort pas trop mal sur cette game. Alors. Alors. Est-ce que Kamessin, j'utilise direct son passif. J'ai quoi, je joue une carte. C'est vrai que j'ai pas trop d'avantage sur ces deux-là. En même temps, Kamessin, il va se faire sur Zamasu. Là. On va prendre cher quand même. Pas si fin spé. Ah ouais, mais attends, mais Goten, mais non, mais Goten. Goten, il prend l'aspect de rosé, c'est fini. Hein. Ah, c'est horrible. Hein. Ah, les attaques sont pas du tout bien positionnées, en fait. Là. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, ça peut vite mal tourner, cette histoire. Attends, je dois remettre un dragon direct, mais après, j'en ai plus. Hein. Dragon. Il va falloir qu'on se dépêche. Hein. Est-ce que le dragon va suffire? Si je mange 2 spé, le dragon il suffira pas. Putain, c'est un peu la merde. Ouais, je peux stun rosé, ouais. Mais du coup, j'utilise maintenant mon truc, quoi. Ouais. Par contre, le problème, c'est que si je prends 2 spé sur Goku enfant au tout début, à la limite, je suis mort. Même avec le dragon... En même temps, si je rends un item maintenant. Bon, bah on verra bien. Salut Ryota, on verra bien. Bon, Goku enfant, si tu peux stun Zamasu, ça serait vraiment génial. Franchement, je kifferais de ouf. Ah là là. aïe. Ah, on est dans la merde. La merde. Bon, Goten augmente sa défense, mais... Il y a quoi? Il y a une attaque de Zamasu. On peut crever, en fait, là. Enfin, je pense qu'on pouvait crever. Alors ça, par contre, ça m'arrange. Bon, Rosé, c'est cool, mais... Il faudrait que je tue Zamasu rapidement, quand même. Ça va être tendu hein, cette fin de game, ça va être très tendu. C'est trop beau. Bon, Zamasu, on le trouve. Après, il est immortel, ça lui fait rien. Alors, il attaque. Combien? 2 fois au début. Après, une fois au milieu. 101 000, ouais. Alors là, j'ai encore le dragon actif, ouais, mais si je mange l'aspect, je suis mort. On va refaire ça, je crois. Bon, on va tout mettre sur Zamasu, les gars, là, parce que là, il faut qu'on le tue. Hein. Faut qu'on tue Zamasu. Enfin, je pense pas qu'on va le tuer là, mais faut qu'on s'en débarrasse très rapidement, là.
Et le Gotenks qui part pas en spé, hein, qui prête, t'es sérieux? Oh non. Oh la galère quoi. Sinon j'aurais bloqué l'aspect de Rosé, c'était très bien quoi. Bon. Ok, le stun, ça c'est très bien. Comme ça on est débarrassé de ces attaques là. Un petit critique de Goku à râler, ça nous aidera énormément. Après, quand il reste qu'un seul adversaire, après ça va, parce qu'avec les stuns et tout ça, non. Aïe aïe, c'est pas suffisant ça. S'il te plaît, Gotenks, proc l'attaque sup. S'il te plaît, s'il te plaît. Pas cool. Pas cool ça. Bon, Zamasu est stun. Donc là, Kamessin a sa défense. 142 000 grâce à l'item notamment, mais. 142 000. Donc là, Kamessin prend 0 sur les attaques de Rosé. Et Kamessin, je rappelle, bloque l'aspect. Donc, en fait, on est très bien là. On est très très bien. Parce que sa perte de défense, c'est que le tour où il a ses dégâts. Hein. Sinon, après, il ne perd pas de défense, hein, Kamessin. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Rosé fera 0 dégâts. On bloque l'aspect de Rosé. Rosé fait plus rien après sur les autres. Bon, si sur Gohan, il va faire des dégâts, mais. Connaît l'air, mais bon, après il faut qu'on tue Zamasu en attendant. On est bien, on est très bien les amis. C'est parti. Franchement, le Kamessin sans doublon, il est déjà incroyable, hein. Vraiment, parce que même quand t'as fait tes dégâts, là t'as un tank très très bon et qui bloque l'aspect en plus, donc franchement 142 000, il n'a pas de doublon. Donc bon, après il y a l'item, mais bon, Goku enfant, il a 100 000, il y a l'item aussi, tu vois. Bon, pas de stun, dommage. Bon, Gohan LR, je pense qu'il va, finir le travail. Non, franchement, là, je pense que c'est la win. Le trait, ah non. Bon, Rosé a sa spé bloqué. Rosé a sa spé bloqué, 4 qui arc-en-ciel, très bien ça. Très très bien ça. Goku enfant, si jamais tu peux stun. Hein. Bon, Goten, tu prends combien? 69 000. Tu prends pas 300 000 de dégâts quand même. Bon, si jamais Goku Arley fait une attaque sup, on rebloque l'aspect pour le tour d'après. Mais si, en fait, restun dans le sens où il sera restun le tour d'après, en fait. Ça marche. Hein. Ça fonctionne, ça peut fonctionner. Oh là 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 là, bon bah. C'est terminé, les amis. C'est terminé. Là, c'est terminé. Et double spé de Goten en plus. Bah écoutez, franchement, je vous disais, c'est. Je sais plus ce qu'on avait en rotation dans cette game, au début. Mais non, mais. En fait, c'est. Non, après, j'avoue, quand il y a 5 adversaires, c'est un peu galère. Mais on a quand même un très bon DPS, on tue rapidement. Et c'est vrai que les stuns, les blocages de spé sont les bienvenus. Après, clairement, Gotenks et CJ, faudrait qu'il y ait mieux, hein. Ça serait plus intéressant. Bon, après. Je pense qu'on pourrait trouver autre chose. Enfin, non, pour l'instant, il n'y a rien de spécial, mais. Mais c'est ça qui fait un peu défaut. Gotenks CJ, parce que bon, même s'il bloque l'aspect, le problème c'est qu'il se fait arracher la tronche. Et il se linke pas forcément très bien dans la team de toute façon. Donc il faudrait autre chose en endurance. Sinon après le reste. Le Gohan LR du Battle Road. Ouais. Bof, hein. bof quand même, je trouve. Vegeta Junior. Ouais, faut voir, ouais. Ouais, faut voir. Ouais, on a du blocage de spé de partout là.
Salut Noé. 2 millions en valeur bientôt le Goku là. Un doublon. Non, deux doublons. Bon, c'est peut-être la fin les amis. Peut-être la fin sur l'aspect de Gohaner ou alors le trait, peut-être le trait qui vote le trait. Qui vote pour le trait. Attention, c'est maintenant le trait. Pas de trait. Ah non, là il y aura pas de trait. On n'aura pas de trait. Bon bah écoutez les amis, alors on n'a pas réussi du premier coup, mais en même temps le start est très important avec cette team parce que quand t'as pas les bonnes rotations, c'est pas bon du tout. Parce que il y a plein de cartes, enfin s'il y a certains qui se retrouvent à côté, t'as des rotations vraiment moisies. Qui sont pas du tout efficaces, mais une fois qu'on a les bonnes rotations, ça marche plutôt bien, franchement ça va. Sachant qu'il y a quand même un combat avec 5 adversaires dans ce Battle Road, 4 au début, 2 à la fin. Il nous restait 2 items, ça va, c'est très correct. Bon, Goku enfant, bon dégâts, stun, très appréciable. Après, on n'a pas le temps de profiter pleinement de son potentiel, c'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, quand on met un item, ça tank bien, bon dégâts, stun. Goku râlé, dégâts monstrueux, blocage de spé qui sert de temps en temps. Défense correcte. Gohan LR, dégâts monstrueux, bon, pas de défense, faire attention. Kame Sennin, franchement. J'ai envie de dire MVP quand même. J'ai envie de dire MVP Kame Sennin parce que son attaque destructrice qui fait des dégâts de malade, même sans doublon, hein, même sans doublon c'est n'importe quoi, qui te permet de faire des critiques. Enfin, tu fais un gros crit de malade, stun obligatoire, tout ça. Et après que tu as fait ça, tu deviens un excellent tank, bloqueur de spé. Franchement, j'ai envie de dire Kame Sennin MVP quand même, hein, parce qu'il a vraiment beaucoup servi. Goten ZTER, il fait son taf, qui arc-en-ciel, tout ça. Et Goten SSJ, voilà, qui. Bon, qui a bloqué l'aspect peut-être une fois ou deux. Mais après, en fait, comme il y a d'autres bloqueurs de spé, c'est pas forcément très très utile. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose en plus, hein, en fait, pour l'instant. Voilà, donc en tout cas, bah écoutez, c'était très 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 sympa. Voilà. J'ai trouvé ça très cool. Voilà.